Bon, ma chère Marie, comment tu vas? Ça va bien? En ce samedi, il est 14h07. Nous sommes samedi et comme chaque semaine, Keke se produit sur la place. Il adore chanter nos chansons préférées. Alors n'hésitez pas à lui faire une petite demande spécifique. Ben écoute Marie, si on a terminé nos plantations, puisque je rappelle qu'on est le 30 décembre, donc demain, on est le 31, en toute logique. Le 31 vient après le 30. Il faut qu'on ait terminé de... Qu'on ait terminé quand même nos cultures. Puisque je voudrais terminer ça avant la fin de l'année. Et à ce moment-là, on n'a qu'à terminer cet épisode par les musiques de Keke. Voilà, comme ça fera un petit truc un peu sympa à la fin de cet épisode. Je récupère mes deux lampadaires. Et... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est mon silo. Ah, punaise, je pouvais la prendre. J'avais pas vu. J'avais pas vu que je pouvais la prendre, le silo. Alors, lampadaire. Oui, on commence par ça. Voilà. Comme ça, et j'en mets un ici. Alors, pas comme ça. Hop là. Super. Et avec les arbres qui vont pousser, ça va être trop joli. Donc ça, c'est chouette. Ah, je peux pas passer là, ça me considère que... Ok, bon. Donc mes citrouilles sont ici. Ah, il faudrait que je les... je vais commencer par les arroser d'ailleurs. Parce que hier, ça a tout arrosé. Mais pas aujourd'hui. Donc on va commencer par ça. Et je pense qu'au 1er janvier... Non, demain, au 31 décembre, on demandera à Marie où en est notre île en termes d'étoiles. Bon, évidemment, on n'aura pas les 5 étoiles parce que il manque plein d'objets, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait, etc. Mais j'ai bon espoir pour qu'on ait au moins 4 étoiles, quand même. Parce qu'on a mis quand même pas mal de choses hein, sur l'île. Hein. On a commencé à bien la décorer. Et ça, c'est chouette. Alors, on était sur les patates. Mais j'étais pas que sur les patates, j'étais aussi sur le fait de dire qu'il me manquait des pelles. Oh, une violette, stylée. Cool, je la laisse pousser. Ah, je suis très content pour l'hybride. On vient te voir Keke plus tard. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous faire une pelle? On essaye de respecter les 30 minutes aujourd'hui. Alors, 30 minutes sans compter Keke. Je préfère le préciser quand même. Il faut juste du bois dur. On compte 30 minutes sans Keke. Puisque Keke, je voudrais que ça soit vraiment la fin de cet épisode. Et c'est très bien d'ailleurs que ça tombe le 30. Comme ça, au moins, on est plutôt cool. J'adore ce let's play. Je passe tellement un bon moment. J'aime. Tiens, je vais récupérer quand même mes chefs-fléras qui sont là. Je vais prendre un petit peu de bois pour faire ma pelle. Voilà. Et je regarde un petit peu si j'ai pas quelque chose d'un peu sympa pour mettre dehors quand même. Les petits objets un peu cool. À la limite, j'aurais... Ah oui, mais non, j'ai pas... C'est dommage, j'ai pas d'outils, de trucs comme ça. Faudra que j'en trouve. J'ai la poubelle qui est ici, mais c'est pas fifou. Non, j'en trouverai peut-être un peu plus tard. Vous savez, genre la petite brouette, etc. Ah, je peux planter une pelle. Ah, je peux planter une pelle sinon. Merci Océane. Oh, qui a pris un sub de niveau 1 pour te soutenir et pour... Merci. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup à toi. Les subs de niveau 1 qui sont tellement importants pour la chaîne. Merci énormément, vraiment. C'est très gentil. Ça me touche. Alors, bricoler quelque chose, oui. Et il faudrait que je laisse une petite pelle, ça peut être sympa. Je vais en faire 3. Comme ça, au moins, on a ce qu'il faut. Vas-y, hop là. Parfait. J'en fais 3 et je vais en laisser une dans la terre. J'aurais pu laisser aussi un petit arrosoir, ça faisait un peu stylé. Ah bah attends, il y a mon seau là. Il y a le seau qui est ici. Que je vais mettre. Ah, j'ai terminé des projets aussi. Ah tiens, couper du bois, x5. Alors ça par contre, ça va nous intéresser parce que là, en Miles Nook, on est un poil charrette. Attends, viens là. Oh là là, c'est tellement chill. Je vous laisse, je vais bosser. Mais bon courage. Bon courage. Bon courage à toi, Camon. Ah, c'est 5 arbres ou... Ah ouais, c'est 5 arbres, en fait. Ah bah tiens, comme ça au moins. Ok.
Faudrait qu'on regarde où on en est pour la mission de casse aussi. Ben merci Gecko, mais il faut dormir. Il faut dormir. Ah voilà, c'est bon, c'était 5 arbres. Je pensais que c'était 5 coups de hache. Mais non, c'était bel et bien 5 arbres. Alors. Alors Kéké, on ira le voir à la fin. Je voudrais planter une petite pelle. Ah, j'ai pas de place pour planter des pelles. On verra après. Allez, on récupère tout ça. On fait... Ouais, si, on met les pommes de terre. On va mettre les pommes de terre ici. J'aurais bien aimé mettre les carottes, en fait, ici. Je pense que c'est plus intéressant de mettre les carottes là. Mais les carottes, on va pas les planter de la même manière. Parce que je voudrais que ça puisse continuer et qu'il y ait le champ de céréales au milieu. Je n'arrive pas à dormir en ce moment. Alors, il y a un truc qui est génial pour l'endormissement que j'utilisais quand j'étais étudiant. C'est l'euphytose. Ce sont des plantes qui aident particulièrement bien à l'endormissement. Tu peux trouver ça en pharmacie. C'est pas un médicament à proprement parler. C'est juste des plantes. Et l'euphytose fonctionne très bien pour s'endormir si jamais tu as des problèmes d'endormissement. Je le recommande très chaudement. C'est très très chouette. Je sais que quand j'étais étudiant, j'arrivais pas à dormir. Enfin, je dormais très mal. Enfin, en tout cas, j'arrivais pas à m'endormir plutôt. Et ouais, c'est naturel. Ça marche super bien. Et je te le conseille. Voilà, euphytose. Et let's go. Voilà. C'est un conseil que je te donne et qui te fera peut-être du bien. Ça te permettra de retrouver un cycle de sommeil beaucoup plus agréable pour toi aussi. Parce que quand on dort pas suffisamment, quand on n'arrive pas à s'endormir, bon, déjà, il y a le côté ronchon qui arrive assez rapidement. Mais c'est surtout pour ta santé, globalement. Et puis, bah, pour ta concentration, pour tout, en fait. Vraiment, t'as besoin de dormir. Donc, l'euphytose, voilà. Euphytose, ça te fera du bien, je pense. Alors. Je peux passer par là. Ouais, de toute façon. Magasin. Je voudrais mettre les carottes à côté. Je vais pas réussir à faire ce que je veux exactement. Oh, le jeu Go, incroyable. Est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux? Je suis pas sûr. Parce que si je mets les carottes à gauche et que je mets mon champ au milieu, si ça peut le faire. Ça peut le faire, ça va être un peu étrange. Il faut que je vois. Écoutez, je vais essayer de faire ça comme je l'ai en tête. Et on avisera derrière. Déjà, on va commencer par ramasser les carottes. Et limite, en fait, la canne à sucre, je peux la laisser sur le côté. Ça sera assez joli. Peut-être mettre un peu plus, sans replanter de la canne à sucre. Donc, mes carottes. Ce qui serait intéressant, ça serait de... Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, il veut m'expliquer tout. Ok. Ouais, mais je comprends. Mais vraiment, l'euphytose, ça te fera du bien. Essaye, tu vas voir. Ça te changera la vie. Après, tu es pas obligé de l'utiliser tout le temps parce qu'après, tu te régules tout seul. Mais essaye, tu verras. Donc, si je mets mes carottes, comme je le pense. Le must, ça serait... Une, deux...
Je vais t'embêter. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais les mettre ici comme ça. Ça va changer un petit peu. Et là. Il y a peut-être un peu moins de carottes. Je vais faire ça. J'ai pas sauvegardé Another Code. Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sauvegarde automatiquement normalement à la fin de la démo. Question. Supprimé par erreur. Ah zut. Ah je suis désolé. Il sort quand? C'est pas en janvier qu'il sort Another Code d'ailleurs? Je crois que c'est en janvier qu'il sort. J'ai hâte de le refaire. Même si le côté animé a beaucoup ralenti l'aventure, je trouve. J'ai hâte de faire avec les petites énigmes sympas et tout. Après, il y a le professeur Layton aussi qui va arriver après 2025, je crois. Ça va être cool. Ah ouais, il est cool. Hein. Allez, hop. Donc les carottes, ça c'est pas mal. Bon, j'aurais peut-être un peu moins de carottes que d'autres... d'autres plantations, quoique je peux peut-être en rajouter un cran au-dessus là. Je vais faire ça. Comme ça on aura exactement le même, même nombre de carottes que le reste. Ça serait dommage de pas avoir la même chose. Ouais, mais après ça va... Non, en fait non, ça va pas changer ça. Ah, je sais ce que je vais faire, je vais mettre ma maison plus vers le centre. Et je vais essayer de l'entourer de... de champs de céréales. Quand on l'aura, pour que ça fasse vraiment genre petite ferme. On va faire ça. Ça sera très sympa. Bon, je suis vraiment en train de me projeter avec des objets que j'ai pas encore. Qu'il faudra que je récupère avec l'île de loup. Mais ça sera cool. Salut, Buzard. Merci de ton follow. Bienvenue. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon pour les carottes. Je vais les arroser tout de suite, sinon je vais l'oublier. Hop là. C'est fait. Bon, ça sert à rien que j'arrose celle de gauche, de toute façon. Ça c'est good. Ouais, c'est un peu dommage, c'est que du coup c'est un peu chiant à arroser quand j'en ai plus que nécessaire. Ça j'ai déjà arrosé tout ça, donc c'est bon. Ensuite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai suffisamment de place pour enlever. Hop. On est très très bien, en plus on a, en termes de temps on est vraiment nickel. Vendre tout ça, je vais faire deux trajets. Hop. Et après j'avais dit, bah attends, je suis même pas obligé de faire deux trajets. J'ai les pommes de terre à planter. Ouais, les ballons, je l'ai vu. J'ai les pommes de terre à planter, je vais les mettre là. Que je veux faire. Hello, hello Marino. Clé de tri standard. Ok, ça c'est bon. C'est ça que je veux faire. Ok, là on est good. À deux doigts dans la même suite, je joue Animal Crossing. Mais rejoins-nous. Viens. Alors. Ça c'est good.
Ouais, j'aurai suffisamment de place ici, c'est cool. Ma maison, je vais la décaler, je vais la mettre là. Ici. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais vendre mes machins et je vais décaler la maison pour être sûr de la place qu'il me faut. Et on terminera avec Kéké, comme je l'ai promis tout à l'heure. On va commencer par vendre tout ça, décaler la maison. Et ensuite, on sera bien. Alors, hop. Donc, sois le bienvenu. Qu'est-ce qui t'amène? Je ne dois pas revendre, mais j'ai très peu de disponibilité. J'aurai toutes tes vidéos sur YouTube. Et bien, ça me touche beaucoup, Marinou. Merci beaucoup. Ben, j'essaye vraiment de vous faire plaisir en temps, avec les épisodes, d'en mettre un tous les jours. Vraiment, j'essaye de m'y tenir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent comme ça. Et donc, avec grand plaisir, merci beaucoup à toi. J'essaie, voilà, je sais qu'il y a la chaîne principale où il y a les news et les découvertes de jeux et des tests. La chaîne secondaire où tous les jours aussi vous avez les vous avez vos let's play. Et puis après, bon, il y a le côté de la chaîne cuisine, etc. Donc vraiment, il y a du contenu pour tout le monde, quoi. Donc c'est très chouette. Puis je sais que chacun ne regarde pas vraiment la même chose. Donc t'as les let's play avec Animal Crossing, avec, je sais pas, genre Mario, etc. De l'autre côté, t'as les let's play PS5 ou Xbox avec du Spider-Man, du GTA, des machins. De l'autre côté, t'as les news jeux vidéo, des tests de jeux indépendants. Et j'aime bien faire plein de choses différentes. Enfin, je suis comme ça dans la vie. Donc je suis content que ça vous plaise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît. Voilà. Donc mes petites patates, elles vont aller derrière, mais j'ai ça à enlever. Si je peux mettre la petite... Si, il y aura un peu plus de carottes ici, j'ai l'impression quand même. Ah non, j'ai mis trop de carottes du coup. Ah ouais, je pouvais en faire 3 ici en fait. Attends, je vais aller les chercher là-haut. Je vais aller les chercher et j'en ai mis un peu trop ici. Bon, ça m'arrange. Merci, j'aime regarder des vidéos quand je fais du cardio à la salle et quand je travaille sur des projets d'école, c'est tellement chill comme contenu. Merci, c'est gentil. Bah en fait en plus, là c'est ce qu'on disait, c'est que là Animal Crossing, on va continuer après à la fin du mois de décembre. On va continuer un petit peu. Et il est pas impossible que, comme Animal Crossing, après on va faire les îles de loups, on va terminer notre île, etc. Quand on aura terminé Animal Crossing, je pense qu'on va passer sur du Stardew Valley pour un nouveau let's play un peu dans le côté un peu ferme, tu vois. Et je pense que ça va être chouette aussi de recommencer Stardew Valley. Donc en fait, on gardera ce côté chill aussi. Merci Kikinou, oh, qui a pris un sub de niveau 1. Merci Kikinou, merci beaucoup, 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 beaucoup. La chaîne vit aussi grâce à toi. Les subs de niveau 1, tellement important. Merci du fond du cœur. J'hésitais à l'acheter Stardew Valley. N'hésite pas. N'hésite vraiment pas. Je peux te le dire. N'hésite pas à acheter Stardew Valley. C'est un jeu qui est riche de tout. Et qui est incroyable de bout en bout. Donc vraiment fonce, fonce, fonce tout de suite. Il n'y a même pas à hésiter dessus. C'est un jeu exceptionnel. Vraiment. Donc je voudrais enlever. Je voudrais enlever ce qu'on a là à gauche. Pommes de terre, je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui pour les pommes de terre. Je suis pas sûr. Je vais laisser les cannes à sucre ici. Parce que j'aime bien l'effet que ça donne. J'aime même beaucoup l'effet que ça nous donne. Je vais mettre un arbre ici. Est-ce que j'ai des pommes sur moi? J'ai pas de pommes. Attends, il y a peut-être un pommier qui a poussé. Avec de la chance. Ah, j'ai des mes cerisiers qui sont là. J'ai encore un ballon. Bon, attends, je vais le récupérer parce que... Apparemment, il veut absolument qu'on le chope. Hop là. Si j'ai des pommes, là j'ai mes poires. C'est quoi ça? Des sous? Non, tableau en liège, ok. Bon, des pommes. Je pense que je pourrais personnaliser sa maison à lui, là. Parce que ça me va pas du tout. Elle est sombre comme ça, c'est dommage. Donc... Ah, attendez, je peux mettre des poires, sinon. Je vais peut-être mettre des poires, ce sera plus sympa. Ça sera plus sympa au fond à gauche. Ça changera un peu. Ouais, ça va changer des poires. On va mettre plutôt des poires ici. Donc, on va mettre un poirier là. Voilà. Ensuite, il me faut des clôtures en treillis standard. Ah, Five Farm, oui!
grâce à tel let's play, je m'ai mis en pause pour reprendre Animal Crossing ainsi que ma fille. Yes. Ouais, Fae Farm était vraiment génial cette année. Ça a été une grosse découverte pour Fae Farm. J'avoue. Mais très très bon jeu aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien d'ailleurs. J'espérais, hein, mais voilà. Ça me rappelle le confinement. J'adore quand vous me dites ça parce que je sais que ça a un joli compliment. J'aime bien. C'était un peu la volonté. Allez hop. Je vais pas avoir beaucoup de place. Hein. Je vais pas avoir beaucoup de place. C'est vrai, j'ai plus de place. Je vais remettre un. Ouais, il y a eu un DLC pour Fae Farm. J'ai pas eu le temps encore, malheureusement, de le tester. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arbre ici. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Je vais en mettre un là. Ouais. Je vais en mettre un là aussi. Ok. En fait, je pourrais quasiment en mettre partout des arbres là. Je vais quand même garder les chemins pour accéder à la plage et rendre la chose un peu plus explorable, on va dire ça comme ça. Je vais laisser un accès ici pour passer là. Ou alors je laisse l'accès ici. Je pense que je vais laisser l'accès là plutôt. Ouais, c'est mieux ici. Je vais clôturer là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, je le vire. J'ai de la place ou pas? J'ai pas beaucoup de place. Je peux manger les pommes. Attends, non, je peux peut-être mettre les pommiers quelque part. Là, je vais plutôt mettre... Si, je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Je vais en mettre un ici. Je vais mettre une barrière là. Voilà. C'est très bien. Je suis content de la tête que ça commence à avoir ici. Parfait. Question. Le mieux, ça serait de faire ça ici. J'en fais un petit chemin. De toute façon, il y aura l'arbre qui va cacher un peu le chemin. Ça va être joli. Là, il y aura des champs de céréales. Mais, j'avais dit que je voulais déplacer ma maison. Le must, ça serait de mettre un accès à la maison par là. Il faut que je vois ce qu'elle prend comme place, la maison. Et au pire, on terminera demain si jamais j'ai pas assez de temps là. Merci Nana. Bah écoute, je suis assez content ouais de ce qu'il y a là. Bon, déjà. Pas oublié, puisque hier j'ai oublié. Pas avant-hier du coup. Je vais déplacer ma maison. Et j'ai hâte d'avoir les champs de céréales surtout. C'est ça qui va changer beaucoup de choses derrière. Donc, que puis-je faire pour toi? Parlons. Ah, je peux. C'est pas ma maison, attends. Je veux déménager, c'est ça. Allez. Ah, c'est 8000 pour ma maison, ça va, c'est cool. Ok. Ah oui, mais attends, je pourrais pas la bouger beaucoup. Parce que l'autre prend beaucoup de place. Ça se trouve, je voulais juste la décaler d'un ou deux rangs. Le problème, c'est que je peux pas faire ça. Bon, là, il y aura les champs. Ah si, je peux. Si, c'est bon. Alors, attends. C'est automatique, la sauvegarde sur Palia, ouais. Alors, donc, il faut que je termine ça dans un premier temps. Et je vais le rejoindre ici. Là... Très bien. Ce sera très bien.
Faudrait que je remette un panneau. Faudrait que je remette des lampadaires par ici. De toute façon, j'aurai pas le choix. Si je veux vraiment faire quelque chose de joli, je vais pas avoir le choix. Il y aura mes champs à gauche. Mes éoliennes, je les bougerai aussi. Là, je peux faire rejoindre mes deux petits chemins. Donc, on est bon pour ce chemin. Là, il me reste que les pommes de terre à mettre. Donc, on est très très bien. J'ai oublié de vendre mes carottes. Et il faut que je déplace ma maison. Sachant que... il faut que je termine ici. Si je veux mettre deux de pommes de terre... je vais les mettre là, comme ça. Attends. Non, je peux les séparer un peu plus que ça. Oui, alors si je les sépare un peu plus, ça veut dire que là où il y a ma maison, il y aura un plan de pommes de terre derrière. Je pourrais pas le finir aujourd'hui. Ça se finira demain, ça. Parce que là, j'aurai pas la place. Ouais, mais je rajouterai des petites herbes et tout, tu sais, genre je rajouterai, je changerai certains détails et tout. Je changerai ça après, évidemment. On changera pas mal de choses après. Je vais mettre un pommier ici. Ok. Et là, il y aura les champs. Donc ma maison, si je veux vraiment réussir à faire quelque chose de chouette, ça serait de remettre un pommier ici. Non, voilà. De remettre un pommier là. Attends, non. Si. Je mets un pommier là. Je fais juste déborder le chemin ici. Comme ça on est bon. Là il y a deux accès au champ. Par dessus ça va aussi déborder. Et ce que je peux faire, c'est aller et faire un petit chemin vers la maison. Comme ça. Et là je pourrais faire pareil ici. Attends. Deux secondes. Que je voulais, on est bon, c'est ça que je voulais faire. Ok, parfait. Donc, si je veux décaler ma maison ici, non. Je vais la mettre un peu après. Ah non, parce que si je la mets un peu plus loin, ça va me poser problème. En fait, je vais devoir enlever ça. Je vais la mettre un peu plus proche, parce que derrière la maison, je voudrais mettre quelque chose quand même, genre des arbres. Donc je peux peut-être la mettre ici. Ouais, ça sera parfait. C'est parfait. Ça sera parfait ici. Ok. Donc, on sera très bien ici. Et devant, je mettrai les champs. Ensuite. Non, pas ça. Bon, au pire, cet épisode sera un peu plus long. C'est pas grave, je voudrais au moins terminer ça. Et de toute façon, l'épisode de demain sera peut-être aussi plus long aussi. Ok, écoutez, ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que... c'est bien, c'est très bien. Et comme ça, la maison va bouger juste un peu à droite, on pourra terminer notre champ de pommes de terre. Et on est bien, on est dans nos 30 minutes. J'ai bien avancé, je mettrai mon... ah, je suis très content, très content. Ça sera pile au milieu, vous voyez, je vais le mettre pile au milieu ici. Autour, ce ne seront que des champs de céréales. Et là, c'est pareil, il y aura des champs de céréales un peu partout. Histoire de faire un côté un peu champêtre.
Je vais même mettre la deuxième éolienne ici. Moulin avant d'ailleurs, pas éolienne. Je rachèterai un de plus d'ailleurs. J'en rachèterai un de plus. Comme ça, je peux en mettre ici, ici, ici. Ça va être génial. Ça va être trop bien. Franchement, ça va être magnifique quand on aura les champs de céréales et que tout aura poussé avec les arbres, etc. Ça va être trop bien. Je suis trop content. Tiens, il faut juste que j'enlève ça si j'ai de la place. Ouais. Allez, on va vendre tout ça. Et on est bon, on est dans les temps. Et il reste plus que la musique de Kéké et on sera bon pour aujourd'hui. Très content. Et demain, il faudra qu'on plante les... Qu'est-ce qui nous manque? Pommes de terre. Pommes de terre. Trop content, j'adore. T'as allé avec les champs de céréales là, ça va être somptueux. On a ça, on a nos petits vergers qui sont derrière avec le musée qui est accessible facilement. On a nos vergers qui sont hyper bien rangés ici avec nos fruits. Là, faudra à la limite que je fasse un petit pont pour aller vers la suite de l'île. On verra ce qu'on y met. Nos petits vergers. Oh, j'adore, je suis vraiment fan de mon île. Notre petit magasin... Attends, je vais pas faire ça. Attends. Notre petit magasin qui est là-bas. J'ai tout ce côté-là aussi à terminer. Hein, parce que finalement, c'est pas terminé. Là. Finalement, je pense que je vais... ici, là. Je vais remplir le chemin. Parce que ça m'embête un peu d'avoir ça. C'est joli, hein, mais... Ou alors je mets un petit pont. Non, vous savez quoi? Je vais construire un pont. On construira un pont demain. Parce que de toute façon, je peux pas faire le pont et la maison. On construira un pont. Ça sera joli. Ça fera une petite passerelle vers la presqu'île. Ça sera pas mal. Ok, ça c'est bon. Allez, on revend ça. Oula, t'as raté pas mal de choses, Anna. Je peux faire le pont en même temps? Je peux faire le pont plus déménager une maison? Quelqu'un m'a dit qu'hier que je pouvais pas. T'es sûr? Alors si je peux, ça m'arrange. Bon, attends, je vais essayer. Au pire, l'épisode est un tout petit peu plus long. Et bah écoute, ça m'arrangerait, je vais voir. Bon, je vais essayer de le faire aujourd'hui alors, parce que histoire comme ça, on aura le pont demain. Ah, oh, bah attends, ça serait génial, ça serait fantastique. Ah, c'est juste ramper pont que je peux pas. Bon bah écoute, ça m'arrange si c'est le cas. T'inquiète, il y aura les épisodes sur la chaîne secondaire, Anna, comme d'hab, t'inquiète. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah ouais, par contre, si je mets un pont, ça prend beaucoup de place. Donc il faut que je fasse un passage assez large ici. Ouais, les ponts, ils prennent de la place. Hein. Je crois que c'est 4. C'est 4. C'est 4 cases ici. Et minimum 2. Je crois. Bah je sais Anna, je sais bien. Ouais, on va faire ça. On va mettre un pont ici. Une petite passerelle. En termes de taille, on va faire celui-là. On va faire ça, ça sera très bien. Je vais virer ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc... Voilà, là je mets du 4. Ça sera parfait. Attends, par contre, je vais juste décaler la rose. Ah mais attends, est-ce que ça va pas me bouffer mes roses? J'espère que ça va pas me bouffer mes roses qui sont derrière. Normalement non. Normalement ça sera parfait. Ah oui mais attends, le chemin il sera pas pile en face. Ou alors faut que je détruise. Faut que je fasse du 2 ici. Que je change l'ordonnancement de celui-là. Ensuite. Je vais, par sécurité, je vais bouger ma rose violette. Que j'ai un peu peur. Je crois que ça me demande 2 à chaque fois. Évidemment.
C'est pas grave, j'en avais une troisième. Ouais, c'est parce qu'il me semblait le buisson de houe va disparaître si jamais. Si jamais. Donc c'est pour ça que je vais le bouger. Là, les deux, là, s'il me faut 4 de cases. Donc ça, c'est bon. Et à ce moment-là, je vais mettre le buisson de houe ici. Ça sera très bien. Voilà. Ok. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite. Hop. Ok. Non, pas. Ça sera vraiment joli ce qu'on va faire. Oui, alors je vais être obligé de bouger ça aussi. Je peux manger une petite patate. Bon, l'épisode est plus long, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je vais le caser là pour l'instant. Ah, bien sûr, évidemment. Donc, oh bon, c'est pas pour me perdre, oui, évidemment, évidemment, évidemment. Je vais creuser un tout petit peu sur le côté aussi. Non, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Et je vais juste enlever ce morceau-là pour que ça soit un vrai pont stylé. Encore un petit peu. Je vais mettre un arbre aussi au centre, là. Attends, on va faire une petite... On va faire une petite île avec un arbre au milieu, j'aime bien ça. Voilà, 2, 3. 3 ici. Voilà. Comme ça. Je vais prendre mon pommier. Je vais le mettre au centre. Je vais manger une petite pomme de terre. Ah, demain c'est le dernier épisode de l'année aussi. Ça va faire bizarre. Ça fait bizarre. On aura fait notre mois complet d'Animal Crossing. Hein. Et c'est cool. C'est pas celui-là. Mais ouais, je pense qu'on continuera. On continuera en janvier. Et on mettra. Je voudrais également faire du Stardew Valley. Ça m'a tellement donné envie de le recommencer. Genre vraiment. Je vais prendre ça. Alors. Il y a ce pont là aussi que j'aime pas. On verra pour le bouger. Cet arbre là. Oh si, je pense que je vais le laisser aussi. Attends. Je vais le laisser aussi. Mais il est peut-être un peu proche du premier. Peut-être. Quoique. Quoique ça peut être stylé d'en avoir deux comme ça. Peut être stylé. Ça peut. Un fruit, tu peux déplacer un arbre. Oui, absolument. Absolument. C'est très pratique. Ouais, c'est vraiment le truc pratique. Punaise, c'est pas ça que je veux. Voilà. Lancer rouge. Merci Imaol. Merci beaucoup de ton sub. Ton sub Prime, c'est très gentil. Merci à toi. Et je vais mettre une pensée rouge ici encore. Ok. Allez hop. On arrose.
simple. Très bien. Donc, pour mettre le pont. Émilie, merci beaucoup. Oh, t'as pris un sub de niveau 1 en plus. Merci, Émilie. Comment tu vas? Merci du fond du cœur. T'es adorable. Ça va? Les deltoïdes, tout ça. Ah, attends. Hop. Je vais bouger le caillou après, de toute façon, au pire. Ok. Le ballon, c'est pas bien grave à la limite. Bon. Joe, c'est ce qui va se passer si tu restes encore dans mes pattes. Pardon. Pardon. Alors comment te dire que le four, je vais faire exprès d'en construire un géant. Mais c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est de l'insolence. Non mais... C'est de l'insolence. C'est infernal. Sans déconner. Vas-y, allumez le four. Ouais, tu vas voir. Non mais attends, ça se suffit là. C'est infernal. Je te jure. Tiens, voilà, hop là. Tu peux plus venir. C'est ça, bah regarde-moi travailler, t'as raison. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Alors attends, hop. Ah non, vraiment, irrespectueux. De ouf. Ok, bon, ça c'est bon. Alors. Je vais mettre une ici. Ok. Je vais rajouter juste là une petite pensée rouge. Ça me paraît pas mal. Ok, on est good. Allez, allez, passe. Allez, ouais, merci. Donc, il nous faut le pont. Et ça me paraît pas mal en termes d'infrastructure. On est comment? Ouais, on est trop bien. On est trop bien. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Sublime. Alors, paf. Planter des graines de fleurs, c'est fait. Ok, et il nous faut un pont supplémentaire et on termine avec Kéké après. Bon, sur un épisode de 45 minutes, mais c'est pas grave. J'aime bien. On termine bien l'année. Combien il faut pour le pont? Je sais plus combien il coûte. On va voir. Qu'est-ce qu'on fait comme type de pont? Pont en pierre, c'est bien. Parlons infrastructure. Pont et rampe. Construire un pont. Alors. Ouais, le pont en brique. Le pont en brique. Le pont en brique. Ouais, absolument. Je suis sûr de mon choix. Ok, 198 000. Bah attends, je vais choper... Utiliser le DAC, on a des sous, vous inquiétez pas. On a 2 millions. Retrait. 120 000. Allez hop. Comme ça, il me restera 30 000. Allez hop. Ouais, mais je restream tout à l'heure, Émilie, si tu veux. Je restream ce soir aussi. Je restream ce soir aussi. Bon, alors, voilà, on va y en voir. Notre petit pont. Oui, forcément. Là. Nickel. C'est parfait. C'est parfait. Oh, punaise. J'aurais dû faire le truc avant.
J'aurais dû faire le chemin avant là-bas, parce que du coup, on va se faire avoir. Ouais, d'accord. Tant pis. En temps maximum, c'est parti. Oui, comme ça, on aura le pont demain. Excellent. Ouais, gros stream ce soir. J'ai une rose noire qui a poussé d'ailleurs ici. On va aller la récupérer. J'ai toujours pas de rose bleue. Hein. Toujours pas. Hop, je vais décaler ça. Je vais laisser un peu plus de place d'ailleurs. Vas-y, let's go. Hop là, rose rouge hybride. Ça c'est fait. Super. Si je fais Star du Valais, ce serait sur quelle plateforme? Je pense que je vais le faire sur PC, je pense. Je pense. Comme ça je chope les succès. Ok, et eh ben ça c'est bon. J'ai plus qu'à vendre quelques... Ah, je pourrais pas les vendre parce que j'ai pas pu accéder à mon magasin. Ah si, par en bas. Si, par là je crois. Hop là. Vous passez ou pas? Ouais. Yes. Ok, on est bon. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Demain, il faudra qu'on vende les pommes de terre, qu'on installe les pommes de terre, qu'on finisse d'installer notre maison, et on aura bien sûr le nouvel an aussi à fêter. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je suis très très content de comment on a avancé. Vraiment très très content là. Je vais acheter par contre le jeu de Go que je vois derrière parce que ça m'intéresse pas mal. Pour le mettre... Attends, ah bah attends, est-ce qu'il vend... Oh, attends, est-ce qu'il vend potentiellement le petit meuble qui va avec? Ça serait génial. Ouais, ouais, c'est bon, il vend la table, il vend la table. Excellent, excellent. Ah, je suis très content. Parfait, et bah ça m'arrange. Ça m'arrange, on va le mettre là-bas. Ça m'arrange. Ça m'arrange pas mal parce que j'ai la place tout pile pour le mettre. Alors c'est pas ça que je voulais faire. J'ai la place. Table de Go. Et voilà. Bon attends. Voilà. On va le mettre avec les. On va le mettre ici plutôt plus tard. Voilà, là c'est quand même un peu mieux. Ok, ça c'est cool. Eh bien écoutez, ça c'est bon. Parfait. Demain on aura ça. Je peux peut-être caler ça ici pour l'instant. Je vais caler ça là et je vais enlever ça. Je vais juste mettre des trucs tant que j'y suis. Voilà, la boîte en bois, je la retire aussi. Ça, c'est les fleurs. Ok, et je vais aller stocker tout ça à la maison. Bon, là, ça avance bien, donc c'est cool. Si, à la limite, ce que je pourrais faire, histoire de terminer quand même cet endroit, ça serait de prévoir pour demain, ici. Sur l'épisode d'une heure en fait pour celui-là, quasiment. C'est très bien, très bien. Alors. Oui. Canne à sucre. Oui. Hop là. Canne à sucre. Parce que c'est joli quand ça pousse. Et ensuite, il va falloir qu'on refasse des clôtures en treillis standard, par contre. Ah, attendez. Peut-être pas, en fait.
J'avais dit que je voulais mettre ça sur le côté. C'est pas ça que je voulais. Ok. Je vais retirer celle-ci. Ouais, c'est très bien. Je peux même faire un mélange entre les deux. Ça peut être assez stylé. Je pense que le mélange passe bien, non? Ouais, je pense que le mélange est cool. Bon, on le voit pas trop. Si, on le voit. Ah si, on le voit bien. Ah, ça peut être sympa de faire un mélange comme ça. Attends, qu'est-ce que ça donne si je fais un mélange ici? Qu'est-ce que ça donne? Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'aime bien. C'est un peu plus original. C'est un peu plus original, ça change. Ouais. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pas mal du tout, hein. Ouais. Est-ce qu'il m'en restera suffisamment? Non, j'en aurai pas suffisamment. Faudra que j'en refasse. J'en referai demain à ce moment-là. Ah ouais, non, ça, c'est vraiment ça a de la gueule, hein. Ouais, ouais, j'aime bien. Attends, je vais choper celle-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En fait, ça allège, je dirais. Ça allège le côté clôturé. Ouais, c'est un peu plus... Alors par contre, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Donc, il faut que j'en récupère encore. J'en ai plus. J'en remettrai demain. Ok, et eh ben c'est très très bien. Écoutez, regardez-moi ça. Ouais, non, super content, ça change. C'est original et ça a vraiment de la gueule. Hein. Là, j'aime beaucoup ce coin, tu vois, avec... Bon, je bougerai la tente, mais avec les... Comment ça s'appelle ? Les cannes à sucre, ça rend super bien. Je suis très content. Je vais en planter quelques-uns encore ici. Je vais laisser un accès à la plage par là aussi. Ouais, c'est très bien. Allez, hop, canne à sucre. Ouais, vous trouvez ça joli aussi? Bon, ça m'arrange. Ça m'arrange. Canne à sucre. Je mettrai des champs et je mettrai des barrières, là. Je vais faire ça comme ça, et là, je vais caler les barrières. Voilà, barrière en treillis standard. Je vais en mettre une là. C'est tout toi, c'est gentil. Ouais, et là entre les deux je mettrai ça. Là on est bien, comme ça ça fait vraiment un espace un peu différent. Là je mets un comme ça, j'en mets un comme ça ici aussi. Non, pas la panne ici. Bah ça sera pas joli si je fais ça. Ça c'est bien, t'accèdes à la plage tranquillou. Je vais faire la forme un peu sympa pour le machin. Et une fois que la maison aura bougé, ça sera très chouette. Et ça, il faudra attendre demain. Voilà, ça c'est pour accéder à la plage. Ici, je vais refaire le même. J'adore. Ça va être trop chouette. Trop cool. Ok. Eh bah écoute, qu'est-ce que... Ah oui, c'est le truc à clochette. Eh bah écoutez, super.
Voilà pour cet épisode, on a bien avancé. Et demain... Ah non, Kéké. On termine par Kéké. Attendez, on termine par Kéké. Évidemment, évidemment. Non mais attends, je crois qu'il faut s'asseoir avant, non? Non, faut lui parler. Faut lui parler et après s'asseoir. Ah, c'est à partir de 18h. Ah, je pourrais pas, c'est dommage. Bon bah tant pis, il est 15h. Bon, et bah écoutez, voilà qui termine notre épisode pour... qu'est-ce qu'on a planté? On a planté les... carottes aujourd'hui. Non, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a planté aujourd'hui? Si, c'est dedans, c'est les pommes de terre. Non. Non, c'est des carottes, hein. C'est vraiment les carottes qu'on a fait. C'est ça, on a fait les carottes. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup plus de choses que ça, mais on a fait les carottes. C'était l'épisode des carottes. Voilà, plantation de carottes pour aujourd'hui. Et demain, il nous restera les pommes de terre et terminer un petit peu notre présentation. Plus le 31 décembre.